Jour 3, vous êtes maintenant à l'aise avec la bride qui est le point principal du Solid Square. Pour terminer chaque carré et pour préparer l'assemblage, nous devrons faire également un tour de mailles serrées. On reprend son ouvrage d'entraînement et c'est parti! Avant de démarrer mon nouveau rang de mailles serrées, je fais une maille en l'air et je tourne mon ouvrage. Pour la maille serrée, je pique directement dans la maille du rang précédent. Je fais un jeté, je remonte, à nouveau un jeté et je passe dans les deux mailles. Fastoche, non ? On recommence. Je pique directement dans la maille, je fais un jeté, je remonte, un jeté, je passe dans les deux mailles. Et voilà, on maîtrise pratiquement tous les points pour faire notre solid square. On se retrouve demain !